La famille, j'espère que vous allez bien. En ce cas, pour une nouvelle vidéo, la famille, la lecture du dernier comics de Fortnite. Le comics numéro 6. Finalement, en fait, il s'avère qu'il est sorti il y a un petit moment, mais j'avais pas vu. Bref, donc du coup, on va le lire aujourd'hui, les gars. Donc la vidéo sort un peu plus tôt que prévu parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui vont sortir aujourd'hui. Aussi, une autre vidéo tout à l'heure vers les coups de 18h-19h. Où justement, je vous parlerai en fait des nouveautés en fait de la map parce qu'il va y avoir une mise à jour aujourd'hui sans téléchargement. Bref, avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné, les gars. N'hésitez surtout pas à vous abonner, les gars. C'est super important. On parle de tout. On parle de l'actualité de Fortnite, on a lu tous les comics, la playlist est en description de la vidéo, il y a une playlist où on a lu tous les comics, et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, code créateur dans la boutique Fortnite NANXDASAS, les gars, je compte sur vous pour le code créateur dans la boutique, c'est super important. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc je vous rappelle comment ça s'était terminé la dernière fois. Tout le monde a réussi à rentrer dans sa dimension, dans son monde, sauf les derniers qu'il restait, c'était Catwoman, Batman et Deathstroke. Ce dernier a réussi à se libérer en fait parce qu'il avait ligoté, parce que c'était le traître. Il avait le même appareil que John Jones dans l'événement Crise Zero. Et il a réussi à rentrer à Gotham City sans l'aide de Batman et Catwoman. Donc du coup il a laissé Batman et Catwoman bloqués devant le pont. Donc ça commence et en fait Batman et Catwoman en fait se rendent compte qu'en fait ils sont bloqués. Batman dit ok, on est bloqué, comment on va faire? En plus moi je l'ai laissé faire. Bref, il s'en voulait un peu, Batman, il disait Deathstroke nous a lâchés et nous on est dans la merde puisque ben, on peut pas rentrer chez nous. Et Catwoman dit à Batman en fait qu'elle a réussi à choper l'appareil de Deathstroke avant qu'il parte. Je sais pas comment elle a fait, mais en gros elle a réussi à choper le même appareil qu'avait John Jones pendant la crise zéro, qu'en fait nous on avait utilisé. Voilà, donc ce même appareil là, elle a réussi à le choper à Deathstroke avant qu'il parte. Donc du coup elle dit que comme Deathstroke a réussi à rentrer chez lui avec cet appareil, il y a moyen qu'eux aussi ils arrivent à faire la même chose, il y a pas de raison. Donc du coup Catwoman dit que quand même il a l'air un peu endommagé. Batman lui dit attends, laisse-le moi. Il prend l'appareil, Batman décide d'en fait utiliser l'appareil devant le pont, donc pour activer le point zéro et pour ramener dans la dernière dimension qui a été réglée sur l'appareil. Le problème c'est que la dernière dimension où a été réglé l'appareil qu'ils ont chopé à Deathstroke, c'est la boucle, c'est le monde de Fortnite, la boucle où ils étaient au début. Et ils disent tiens, c'est pas réglé sur Gotham City, c'est réglé sur la boucle. Et là ils se disent attends, dans la boucle il y a Harley Quinn. Et en fait, si on ramène Harley Quinn, on va pouvoir la connecter à un des panneaux comme on a fait avec les autres. Le panneau va se calibrer sur Gotham City parce que Harley Quinn vient de Gotham City. Et donc du coup, ils vont pouvoir ouvrir la dimension de Gotham City et rentrer chez eux. Donc du coup, ils disent ok, ils re-rentrent dans la boucle. Sauf qu'en fait, ils ont un appareil qu'a donné Poiskai à Batman qui permet de ne pas perdre la mémoire, etc. si tu rentres dans la boucle. Donc ils sont safe. Ils rentrent dans la boucle et en fait, ils utilisent le bus pour survoler la map et trouver Harley Quinn. Finalement, ils trouvent Harley Quinn en train de se battre, en train de kiffer sa life comme d'habitude, elle est en train de se battre. Catwoman a dit à Batman, la dernière fois, on a essayé de ça a pas marché avec elle, donc en fait là cette fois-ci ne parle pas avec elle, mais la KO et on la ramène de force. Donc en fait Harley Quinn entend Catwoman, Harley Quinn les voit arriver et commence à se battre contre eux. Donc ils se battent et finalement ils arrivent à la maîtriser. Et en fait ils arrivent à la maîtriser et là Harley Quinn écrit mais moi je ne veux pas rentrer chez moi. En gros elle veut pas rentrer à Gotham City Harley Quinn. Et là ils sont choqués, ils disent mais attends, comment elle a fait pour parler dans la boucle? Bizarre. Et donc du coup Batman Catwoman elle lui dit mais tu peux parler dans la boucle? Et Harley Quinn elle lui dit oui parce que je suis taré. En fait elle est complètement folle. Et après à ce moment-là on a Batman qui lui dit ok, donc maintenant si tu peux parler, que tu nous comprends, en fait nous on te veut pas de mal, on veut juste rentrer chez nous. Et là Harley Quinn a dit ah d'accord, je vois qu'en fait tu ne m'écoutes pas. Et elle lui donne encore un coup à Batman parce qu'en fait lui il lui dit qu'il veut rentrer chez lui, mais elle veut pas, en fait elle veut vraiment pas rentrer chez elle. Et là elle leur explique qu'en fait dans cette île tu fais que te battre dans une boucle infinie et tu peux danser, etc. Elle a dit c'est trop bien, tu meurs jamais, tu fais que te battre, et elle adore ça, donc c'est pour ça qu'elle veut pas rentrer chez elle. Bref, Batman donne un gros coup à Harley Quinn, la met KO. Donc du coup il la prend sur son dos pour la ramener au pont pour qu'elle se connecte au point zéro, qu'elle mette la dimension Gotham City et qui rentre chez eux. Et en fait quand il la met sur son dos, qui commence à partir avec Catwoman, qui ressort l'appareil qu'ils ont chopé à Deathstroke, il y a un batarang qui passe juste à côté de Batman, alors que c'est Batman qui lance les batarangs normalement. Et en fait il s'agit de Catwoman Armored et Batman Armored. En fait comme ils sont sortis et re-rentrés dans la boucle, ils ont créé des doubles d'eux-mêmes, des doubles beaucoup plus puissants, Batman Armored et Catwoman Armored. Donc du coup Batman et Catwoman Armored commencent à se battre contre Batman et Catwoman normal. Et le problème c'est que Batman il dit que s'il reste à se combattre, la zone va arriver, va
les tuer et ils vont être bloqués dans la boucle. Donc du coup, il dit, on n'a pas le temps de se battre contre eux. Il dit à Catwoman, ferme les yeux et il lance une grenade flash. Au moment où il lance la grenade flash, Batman Armored et Catwoman Armored sont éblouis. Et pendant ce temps-là, Batman et Catwoman et avec Harley Quinn sur le dos de Batman en profitent pour s'enfuir et retourner au pont avant que Catwoman et Batman Armored ne sortent de cet éblouissement et les attaquent à nouveau. Donc du coup, Batman, Catwoman et Harley Quinn se retrouvent devant le pont et du coup, ils connectent Harley Quinn à un des panneaux pour que justement le panneau se calibre sur Gotham City. Ils lancent la réalité et donc du coup, le portail de Gotham City s'ouvre. Donc ils ont réussi, ils ont plus qu'à sauter dans le portail pour rentrer à Gotham City. Et à ce moment-là, Catwoman, elle se retourne vers Batman, elle lui dit, et si on restait? En gros, elle lui dit, genre viens, on rentre pas à Gotham City, on reste ici. Et à ce moment-là, on a Harley Quinn qui se réveille, qui donne un coup à Catwoman et qui s'enfuit. Donc là, Batman lui dit, c'est pas grave, laisse-la partir. Nous, on a réussi à ouvrir le portail pour Gotham City, on n'a plus qu'à rentrer chez nous. Mais il lui dit, mais pourquoi t'as envie de rester? C'est quoi qui t'a fait changer d'avis? Et Catwoman, elle lui dit que déjà, ici, ils sont libres, ils auront le droit de faire ce qu'ils veulent, il y a personne pour les en empêcher, et ils ont l'appareil qui permet de faire ce que tu veux. Et en plus, Catwoman, elle a pas envie de rentrer à Gotham City, et que finalement, dans Gotham City, comme elle a perdu la mémoire, s'il faut à Gotham City, elle aime un autre mec, et elle est pas avec Batman, elle est pas en couple avec Batman. Et du coup, elle a pas envie d'être séparée de Batman. Elle lui dit, là maintenant, on est ensemble, on est tranquille dans ce monde-là. Imagine, on rentre à Gotham City, et au final, on n'est plus ensemble. Moi, je suis avec un autre mec, toi, t'es avec une autre femme, et on se voit plus. Et Batman, il lui dit, oui, mais le truc, c'est qu'à Gotham City, les gens ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on fasse régner le crime. Ils ont besoin de nous. Donc du coup, on est obligé de rentrer. Et lui dit, moi, si j'ai pensé à ça, j'aurais voulu rester ici avec toi, mais il faut qu'on rentre à Gotham City. Et donc du coup, ils disent, ok, on y va. Du coup, ils sautent dans la faille, et du coup, ils arrivent à Gotham City. La faille derrière eux se referme, et ils sont revenus à Gotham City sains et saufs. Le problème, c'est que Catwoman a dit, je suis rentrée, mais j'ai aucun souvenir de cet endroit-là. Elle a complètement oublié qu'est-ce qu'elle faisait à Gotham City. Mais en fait, à ce moment-là, juste après qu'elle ait dit ça, Catwoman, elle a un flash, et elle se rappelle de tout, de vraiment tout. Et elle se rappelle que Superman l'a demandé en mariage, que Superman est amoureux d'elle, qu'elle aussi, elle avait des sentiments pour Superman. Et du coup, en fait, elle se rappelle de tout. Et du coup, elle dit à Batman, tu vois, je t'avais dit, fallait pas qu'on revienne. Et Batman, il lui dit, non, attends, reviens, Catwoman et tout. Et elle lui dit, ben, en fait, c'est mort, tous les deux, c'est mort, tous les deux. Donc, du coup, elle part sans dire au revoir à Batman. Batman, il est dégoûté, mais bon. Du coup, Batman s'en va rejoindre Alfred et il dit à Alfred, bon, j'ai réussi à rentrer, etc. Bref, ils se revoient, quoi. Et Alfred dit à Batman, le plus important, c'est que t'es gagné, t'as réussi à revenir, la faille est fermée dans le ciel de Gotham et tu es sain et sauf. Donc, il dit, t'as gagné. Mais Batman dit que Deathstroke n'a pas pu faire tout ce qu'il a fait dans Fortnite sans l'aide de quelqu'un ici à Gotham City. Il a dit qu'il y a quelqu'un de très puissant, de très influent, qui a aidé Deathstroke à faire tout ce plan. Et en fait, à ce moment-là, on se retrouve à Metropolis, et en fait, on est devant un building, et en fait, du coup, on nous dit que la faille s'est fermée dans le ciel, et en fait, il y a quelqu'un qui parle et qui dit « Bon, la faille s'est fermée dans le ciel, tout va bien, on a réussi à faire tout ce qu'il fallait qu'on fasse. » Et en fait, c'est Deathstroke qui parle à Lex Luthor. En fait, ils parlent tous les deux, et ils disent qu'en fait, le plan a super bien marché. Le plan, en fait, c'était en fait de faire tomber Batman dans la faille qui ramène à l'île de Fortnite, pour voir s'il arrive à en revenir sain et sauf. Le but pour Deathstroke, c'était en fait de poser un dispositif dans le pont. Au moins, ils y revont quand ils veulent. En gros, Deathstroke, quand il était dans la salle avec Batman, etc., il a posé un dispositif qui fait que maintenant, il peut revenir au pont quand il veut. Et Deathstroke, il dit même qu'il pensait pas que ça allait se passer aussi bien. Il pensait pas que Batman allait réussir à revenir à Gotham City et comprendre comment l'île de Fortnite fonctionne. Finalement, il a dit que ça a marché encore mieux que prévu. Et là, il y a quelqu'un de Dark qui dit, ne pensez pas que Batman est super fort, ne lui lancez pas trop de fleurs, c'est facile de savoir ce que va faire Batman. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est le Batman who laugh. Donc en fait, c'est le Batman qui rigole qui est en train de parler. Et en gros, Lex Luthor, en fait, avec Deathstroke et Batman who laugh, en fait, ils ont créé un plan pour emprisonner Batman dans l'île de Fortnite pour qu'il en sorte et pour qu'il puisse aller jusqu'au pont pour déposer un dispositif là-bas. Donc en fait, c'était leur plan machiavélique. Et ils se sont aidés de Batman who laugh pour savoir qu'est-ce que Batman allait faire. Et ils se sont aidés de Deathstroke pour justement jouer le rôle de l'intrus là-bas, de la top. Et Lex Luthor qui tirait les ficelles depuis Metropolis. Et là, on a Lex Luthor qui se retourne vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas encore, et qui dit, bon, le plan a super bien marché, on a réussi à disposer le dispositif dans le pont, donc on peut dire que l'Institut Onirique a eu tout ce qu'il voulait, ou vous préférez que je vous appelle eux. Et là, en fait, on voit qu'il parlait au Dr. Sloan. Et du coup, le Dr. Sloan lui dit, ne nous appelez pas eux. Eux, c'est le nom que nous donnent ceux qui sont bloqués dans la boucle. Et ici, on est plus civilisé que dans la boucle. Donc en gros, elle lui dit, ne nous appelez pas eux, appelez-nous l'Institut Onirique. Et Lex Luthor lui dit, ok, c'est d'accord, Dr. Sloan, je vous appellerai Institut Onirique. Et du coup, maintenant qu'on a rempli notre part du marché, maintenant, à vous d'honorer votre part du marché. Et là, le Dr. Sloan lui dit, ben en fait, on a déjà commencé. Elle lui dit, regardez dehors. Et là, on voit une énorme faille qui apparaît dans le ciel de Metropolis. Et c'est la fin du comics numéro 6.
Bon, du coup, la famille, on passe à la partie débrief de la vidéo, donc du comics numéro 6. J'ai été un peu déçu. Voilà, j'ai été un peu déçu. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'avais déjà vu un peu les leaks, un peu, je savais qu'il y avait Lex Luthor, le Batman qui rigole, le Dr. Sloan à la fin, etc. Mais je pensais qu'il y avait plus de surprises. Et le fait qu'il n'y ait pas plus de surprises, je suis resté un peu sur ma faim. Mais sinon, le comic, c'est cool. Franchement, le comic, c'est cool si vous le découvrez sans avoir vu les leaks. Franchement, le comic, c'est incroyable. Donc, du coup, on va passer un peu à la partie débrief. Je vais essayer un peu de vous dire ce que j'ai compris. Le comic, c'est super simple à comprendre. Hein. C'est-à-dire que, voilà. Ils étaient bloqués, Batman et Catwoman, pour retourner chez eux. Ils ont dû aller chercher Harley Quinn, etc. Enfin bref. Mais c'est vraiment la fin qui vraiment nous laisse sur une grosse fin. On peut juste, voilà, essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Alors à la fin, on comprend qu'en fait, Lex Luthor, Deathstroke et le Batman qui rigole étaient ensemble. Et en fait, avaient passé un marché avec le Dr. Sloan, en gros l'Institut Onirique. Et en fait, le Dr. Sloan, elle a fait faire le boulot normalement de John Jones à Lex Luthor, en fait. Et le marché, c'était quoi? Ben, c'est Lex Luthor qui le dit lui-même. Sloan, elle a demandé à Lex Luthor d'aller jusqu'au point zéro, de poser le dispositif d'ancrage pour retourner quand elle veut au point zéro, tout simplement. Voilà, donc c'était ça la mission qu'a demandé Sloan à Lex Luthor. Donc de poser un dispositif d'ancrage dans la salle du point zéro dans Fortnite pour y retourner quand elle veut. Alors en fait, du coup, ça veut dire qu'il y a deux ponts. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Il y a le vrai pont, donc le pont dans le monde réel, et il y a un autre pont dans les bunkers de Fortnite. Et ce pont-là, j'ai l'impression que Sloan, elle ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait des golems, etc., qui bloquaient l'entrée. Et en fait, elle n'a pas voulu se casser la tête à y aller, à risquer de rentrer dans Fortnite, etc. Elle a demandé à Lex Luthor et donc Deathstroke de le faire à sa place. Et c'est pour ça qu'ils ont ramené Batman dans Fortnite. Parce qu'il savait que Batman était très intelligent et qu'il allait battre les golems, comprendre comment tout fonctionne, etc. Et Deathstroke n'avait qu'à suivre Batman qui détournait tous les pièges et est arrivé jusqu'à la salle du point zéro. Voilà, tout simplement. Donc là, en fait, Sloan, maintenant, elle peut aller dans la salle du point zéro dans Fortnite, comme ça, d'un coup, sans passer par Fortnite, la boucle, sortir de la boucle, etc. Elle peut y aller directement. En fait. Après, pour savoir à quoi ça va lui servir, c'est pas, on verra plus tard. Et de ce que j'ai compris, Lex Luthor, en retour de cette mission qu'il a fait pour Sloan, eh bien, il lui a demandé, lui, en retour, qu'en fait, elle le fasse rentrer dans Fortnite pour que le mec, il soit puissant. Sûrement que quand il va rentrer dans Fortnite, elle va lui donner l'appareil pour qu'il puisse rentrer à Metropolis quand il veut. Ou en gros, aller dans toutes les réalités qu'il veut. Et l'appareil aussi pour ne pas perdre la mémoire. Donc, en fait, lui, il veut être ajouté dans Fortnite pour avoir un endroit où il peut tuer qui il veut. Voilà, il peut tuer qui il veut, il est le plus puissant. Un endroit où il sera pas inférieur à Superman. Parce que dans Fortnite, Superman il sera pas aussi fort que dans la vie réelle. Puisque dans Fortnite, tu parles pas, t'as pas de pouvoir, etc. En fait, à Metropolis, Lex Luthor il a la haine contre Superman parce que Superman il a des super pouvoirs. Mais dans Fortnite, il y a plus de super pouvoirs. Une dernière chose, les gars, en fait, la faille qui est apparue à la fin du comics au-dessus de Metropolis, en fait, elle va faire la même chose que celle qui était apparue au-dessus de Gotham City. En fait, elle va attirer Superman et c'est pour ça que Superman va être bloqué dans Fortnite. En fait, Superman va rentrer dans la faille et il va être bloqué dans Fortnite comme Batman. Donc c'est pour ça qu'on va avoir Superman cette saison dans Fortnite. C'est parce qu'il va être attiré par la faille qui est apparue à Metropolis et quand il va s'en approcher, il va être aspiré et rentrer dans Fortnite. Sloan voulait déposer un dispositif d'ancrage dans la salle du point zéro dans Fortnite et Lex Luthor en retour lui a demandé à être ajouté dans Fortnite pour être lui aussi puissant et n'avoir personne qui est plus puissant que lui, tout simplement. Voilà, moi c'est ça que j'ai compris du comics. Sur ce, la famille, je voulais, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour la prochaine vidéo qui sort tout à l'heure à 19h, vers 18h-19h. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.